la pollution atmosphérique. Quelles propositions peut-on faire pour diminuer la pollution atmosphérique? À quoi sont dus les différents problèmes respiratoires? Alors, il faut savoir que au bout incandescent de la cigarette part un courant gazeux très riche. Eh bien, pour être moins allergique aux moisissures, aux acariens. Allez, Florian, tu respires à toi. Auvergne est une association qui est chargée de la surveillance de la qualité de l'air en Auvergne et qui est agréée par l'État. Il existe en France. Je voulais que vous me parliez de la cigarette. Actuellement, l'essentiel des maladies respiratoires sont liés à cette cigarette, ce boudin de tabac et de papier qui est allumé et qui va donner lieu à ce moment-là à une véritable usine chimique. On s'aperçoit que toute la partie antérieure du poumon est détruite, tout le sommet est détruit, toute la partie basale et postérieure est détruite. Il n'y a plus que cette partie-là qui respire. Ce qui est important, c'est de dépister les premiers troubles. Et ces premiers troubles, si tu en es d'accord, on peut le faire. On peut les dépister avec une exploration fonctionnelle respiratoire. Et si tu veux bien me suivre, on va te faire une exploration fonctionnelle respiratoire pour te montrer comment ça fonctionne et quel est l'état fonctionnel de tes poumons. Alors, tu respires à ton rythme normal. Dès que je te le demande, tu gonfles tes poumons à fond. Et ensuite, tu vas souffler le plus vite et le plus fort que tu peux. Maintenant, tu vas gonfler tes poumons à fond. Allez, vas-y, gonfle à fond. Inspire bien et souffle à fond. Encore. Alors Floriane, voilà tes résultats, que si te les apporte, eh bien comme tu le vois, les courbes sont absolument parfaites. Tu as une excellente respiration. Qu'est-ce que c'est que d'être en bonne santé? Comment devient-on fumeur? Comment faire pour ne pas fumer? Pourquoi certaines personnes fument-elles? Elles fument tout simplement parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Beaucoup de personnes fument alors qu'elles connaissent parfaitement les conséquences de la consommation de tabac sur leur santé, mais elles ont perdu leur liberté de s'abstenir de consommer du tabac. On dit qu'elles sont dépendantes.